Et salut tout le monde, c'est Sky, et on se retrouve dans un nouvel épisode de Tombi 2, le petit mon let's play d'enfance. Voilà, le jeu, un des trois jeux avec Tomb Raider 2 et, comment il s'appelle, Metal Gear Solid 1, qui m'ont vraiment porté dans mon cœur, enfin, ce que j'ai vraiment aimé quand j'étais gamin. Et sur ce, nous allons monter. Il me faut 500 000 AP pour le groin, donc j'en ai pas assez. Je sais que les AP, c'est secret, donc pour ça que je le fais maintenant. Et c'est parti, nous sommes dans le temple de l'eau, justement. Oh, qu'est-ce que tu fous là, toi? Sommet du ranch. On peut pas sauvegarder, il y a un problème avec les sauvegardes. C'est un petit peu le temple de l'eau, ça. Toi, qu'est-ce que tu fous là, toi? Nous revoilà réunis. En maillot de bain, l'autre. Qu'est-ce qu'il fait? Oula, oula, la voix elle a dit non, je me casse. Que fais-tu ici? Pour un voyage fatigué, les stations thermales sont l'idéal. Mais là, ah, c'est pas un temple de l'eau. Enfin, il est plus loin. Il n'y a plus d'eau chaude. Oh là là, démerde-toi, Champignac. En plus, il y a une fleur à côté. J'adore la musique de cet endroit. Oui, non, c'est pas le temple de l'eau ici. Ici, je sais que c'est chiant. Particulièrement chiant. Ah, des cochons. Des cochons pieuvres. C'est nouveau. Aïe, tu es en état huileux. Oh, je suis en état huileux. Allez, c'est ça, va voir l'ascenseur. Oh, oui, je me rappelle de cet endroit, c'était horrible. Par contre, la musique... mention spéciale, hein. Non, non, c'est pas ici le temple de l'eau. Gâche-toi. Ah oui, les trucs de feu, je me rappelle. Il faut que je les... je crois qu'il faut que je les éteigne. Non, non, je peux pas y aller dessus. Il faut que je prenne le boomerang. Mais attends, j'ai pris le marteau. Oh, faut pas que je quitte avec triangle, c'est vrai. Voilà, c'est ça. C'est pour que je puisse grimper dessus, en fait. Évidemment, ça charge une autre musique qui ne devrait pas. Aïe. Ah oui, mention spéciale pour les musiques de ce jeu qui sont exceptionnelles. Franchement, je les adore. Pour un jeu de 1998, ça a plutôt de la gueule quand même. Oh, il y a des trucs là-haut. Oh, il y a des coffres, je les avais jamais vus. Et là. Vas-y, descends. Là, il y a une porte. On va y aller. Désolé pour les bugs de texture, hein, mais je peux pas faire autre chose. Hein. Salle des opérations. Ah oui! Vous trois... Oh non! Je me rappelle de ce mini-jeu avec le mensonge. Il y a trois balles. Puis après, elles vont se les mélanger entre elles. Et après, elles vont te dire quelles balles elles ont. Ou alors, quelles balles elles n'ont pas. Ou alors, elles vont te dire, machin ment, elle a une balle, je sais pas quoi. Et il va falloir déduire qui est la menteuse parmi les trois. Et toi, t'es le mec huilé. Brrr, quelle vilaine créature a réussi à me recouvrir d'huile. Mais j'ai entendu parler d'aliments pouvant absorber cette huile. Quoi? Oh oui, je me rappelle, on avait vu ça à la ville minière. Il faut en crafter. C'est le steak ou je sais plus quoi. Alors là, il faut gagner. Ah, alors tu voyages, c'est justement ce qu'il me fallait. On n'est pas au temple de l'eau, c'est bien ce que je pensais. Ça doit pas être marrant tous les jours ta vie. Allons jouer. D'accord, jouons à cache-cache. Attends juste une minute. Alors on se cache et toi tu viens nous trouver. Tu peux nous chercher. Mais qu'est-ce qui se passe? Je te préviens, on a toujours gagné à cache-cache dans ce ranch. Si tu nous trouves, tu gagneras une luciole aussi lumineuse que la reine. Ok?
Allons en bas du ranch. D'abord, en fait, d'abord elle joue à cache-cache, puis après elle joue au truc des menteuses. Ah, les enfants. Ouf. Mon personnage est aussi un enfant, que je sache. Oh, les gosses. Faites des gosses, qui disent. Oh, merde, le feu, il revient à chaque fois. Attends, juste, je veux voir un truc. Si le feu revient bel et bien sur tous les machins de feu, parce que sinon, j'aurais enlevé pour rien le feu. Ah, si. Ah, non, c'est bien. Il garde tout comme ça. Ah, c'est cool. Ah, bah, il y a un rouage là-bas. Attendez, on va aller chercher. Alors, la porte, je sais que c'est fermé. Ouais. Faut une clé. Faut pas le truc, là. Attends. Peut-être enlever d'abord ça. Alors, oui, désolé si la qualité est un peu dégueulasse. Hein. Sur PS1, il n'y avait pas ça. Là, c'est l'émulateur qui fait la merde. Merde. Lâche, lâche! Potion de vie! La vitalité augmente de 1. Oh, c'est cool ça. Oh, je suis vraiment désolé d'avoir ça, quoi. Je pensais pas que la qualité graphique sera aussi dégueulasse à ce point. Ah, tiens, il y a un Kujara qui manque, là. Je vois plus rien. Ah, faut que je le pousse. Ok. Non, pas dans le trou. Bonjour, madame. Oh. Je foire. Oh, les gens, je vois que dalle. Je viens de passer chez le sculpteur pour voir son œuvre. C'est très surprenant. Oh, t'as vu l'heure? La pause est terminée. Je dois retourner laver les Kujara. À plus tard. Ah oui, la machine à laver les Kujara. Oh, je m'en rappelle tellement de cette machine. Par contre, désolé de la qualité graphique. Hein. C'était pas comme ça sur PS1. Ah, mais c'est un bloc pour sculpter, ça. T'en as besoin, toi, je le sais. Oh, non, il faut que je le lui pousse là-dedans. Tiens, 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 tiens. Il est content, le monsieur. Oh, une sculpture en glace, superbe. Cette superbe, cette brillance et cette clarté. Tout est de grande qualité. Et cette couleur. Selon la rumeur, cette glace est très célèbre. La glace éternelle. Eh, c'est du piqué à Pokémon, ça. Eh, toi, cette sculpture est chez moi, donc elle est à moi. Bien sûr. Pas de problème, hein, Tombi. Non, je proteste. D'accord, je vais la faire. La sculpture de glace suprême. Ok, d'accord. L'ultime sculpture. Eh ben, non. On va le laisser faire. Sortons de là. Tu as attrapé un Kujara. Ah oui, mais faut que je le ramène où? C'est pas là. C'est quand même bizarre comme truc. Hein. Bon, lui, on va le laisser dormir parce que bon, on l'aime pas trop. Ah, c'est là, je crois. C'est ça. Oh non, on s'en fout. Ah, il est parti! Oh, je me rappelle de ces trucs! Il faut prendre les Kujara et les foutre dans l'eau! Oh, j'aime pas ce mini-jeu. C'est ici qu'on lave les Kujara enduit d'huile Toradako. Alors, tu veux essayer? Cette précieuse fourrure de Kujara est fichue si on ne la lave pas. Mais la machine est vieille et ne marche pas plus de 90 secondes. Respecte cette limite.
Il faut attraper et jeter les Kujara dans le trou. Facile, non? J'aime pas ça. C'est un vrai labyrinthe, ce truc. Commence avec le premier groupe. Ceux-ci sont dociles. Ceux-là sont dociles. Tu ne devrais pas avoir de problème. Mordu pour un Kujara perdu, jette-les dans les... Regarde ici! C'est où déjà? Ah bah là! C'est là, je les vois! Ça va, c'est plus facile. Mais par contre, y a certains niveaux où c'est bon, un peu chaud. C'est un peu labyrinthesque, hein. Et deux. Il y en a 6. Tout propre. Reviens là, toi. Faudra limiter les échelles. Oh, c'est bien, quand tu montes l'échelle, t'as le temps qui s'arrête. L'autre, il va me tomber dessus. Il y a encore un étage. Loupé! Et le dernier. Non. Non. Loupé. Putain, je l'ai... Ils devraient tellement être morts après ce que je leur fais. Reviens ici. Oh putain, je glisse. Et voilà. C'est pas comme aujourd'hui où les chronos ils s'arrêtent plus pendant que tu fais une action. Yeah. Bien, bien, tu te débrouilles bien. Cette machine est pas mal usée. Mais c'est toujours comme ça. Ça brûle. Putain, je me demande si elle va pas exploser un jour. Parfait. Ceux du second groupe sont beaucoup plus durs que ceux du premier. Non mais, je veux pas tout faire. Ah oui, d'accord, mais t'as le truc qui bouge carrément. Allez, on le fait, on se le fait, on peut y arriver. J'ai eu. Allez. Ah oui, mais celui-là, il est carrément fermé à un certain moment, quoi. Rien ne me fait peur. Allez, c'est parti. Voilà. Non, reste là. Oh purée, loupé. Désolé. C'est pour ne pas que la musique change. Parce qu'elle change toute seule, elle est pas censée. Non, non, trop tôt. Il en reste deux. C'est chaud. Aïe, 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 aïe.
Oh, celui-là, je vais pas y arriver, je le sens. Non, loupé. Tombe pas, non, non, saute pas. Non. Reviens ici. Eh merde, je vais pas y arriver en 10 secondes. Non, loupé. C'est mort, c'est mort, c'est mort. Trop tard. En 7 secondes, j'ai pas le temps de monter et de faire l'autre là-bas derrière. Ah, celui-là, il m'a bien saoulé, hein. Ah, le temps de descendre, monter. Non, trop. Bah, mais c'était obligé. C'était obligé. Fallait que je lance là-bas pour le refaire une deuxième fois. Non, non, je réessaye pas. Bon, là, c'est fait. Parce que j'ai quand même autre chose à faire. Oups, merde. Pas de problème. On y va. Et les Kujara perdus, on les met où? Ah, c'est toi qui les veux, non? Ah, toi, tu veux le rouage. L'échelle peut être levée avec cette manivelle. Mais quelqu'un a pris le rouage hexagonal. Si tu le trouves, je lèverai l'échelle. Pas de problème. Je sais où il est, je l'ai vu. Je l'avais pas sur moi. Je l'ai pas récupéré par hasard? Non? Attends, je... non, 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 je l'ai pas. Je croyais l'avoir trouvé, en fait. Ah, tout est revenu, merde. C'était où? En haut! C'était en haut, bien sûr. Tout simplement. Merde. Oh, je suis dans un état huileux. Voilà, je l'ai. Loupé, et toi là? C'est ça. Dans la forêt après le ranch, il y a des fruits qui font rire ou pleurer quand on les mange. C'est ça. C'est ça les fameux. Le fameux truc qu'on a vu au tout début. Oh, un calamar. Non, il faut le grappin pour le détruire. Pour le percer, il faut le grappin, t'es obligé. Aïe. Lol. Y'a quoi là-dedans? Atelier d'outillage. Oh, y'a un truc. Je récupère. Gros fusible. Ah, mais oui. Faut que je donne à l'autre timbré. Tombe. Aïe, aïe, aïe. Oh là là, c'est tellement invisible. Là, ah, mais oui. Cette porte, je m'en rappelle, c'est un raccourci pour aller là. Oh, une aile magique. On va se la faire. J'ai perdu un Kujara d'ailleurs. D'abord le rouage. Hey, tu l'as? Viens, mettons-nous au travail. C'était la bonne époque des doublages français. Ça va, hein. Aujourd'hui on dit que c'est dégueulasse, mais en fait pour l'époque c'était super. Alors oui, c'est bugué, hein. Texture graphique, j'y peux rien. Ah ouais, chaud, mais j'ai un Kujara sur moi, quoi. On dirait un gros Donald.
Il y a quoi par là? Ah, non, pas bonne idée en fait. Non mais, reste là! Il y a quoi là-dedans? Abri du sommet. Ah bah le Kujara m'a suivi cette fois-ci. Petits, bienvenue. Bonjour, j'aurais dû me présenter. Je m'appelle Pam. C'est mon rôle. Plaisir de vous rencontrer. Pam, est-ce que la gondole pour aller dans la forêt est prête? La gondole. Oui, mais... Quelque chose ne va pas? J'en ai un sur la tête, hein. Voyez-moi ça. J'en ai un sur la tête. C'est quoi? C'est une machine pour stocker l'électricité statique des Kujaras. L'électricité statique? Ce sont les décharges qu'on reçoit quand on touche quelque chose en hiver? Les enfants. Tout à fait. Pas bête le petit. Retenez bien ça. De l'autre côté de cette paroi, je construis une gondole qui ira jusqu'à la forêt. Mais la paroi est trop dure. Je ne peux pas la détruire comme ça. Je vois. Tu veux utiliser l'électricité statique pour la faire exploser. Oh, tu n'es pas bête, petit. C'est tout à fait ça. Même un enfant de 2 ans saurait dire ça. Mais pour provoquer une grosse... Attention. Voilà, la voix qui fait n'importe quoi. Il faut beaucoup d'électricité. C'est là qu'interviennent les Kujaras. L'hiver, leurs poils poussent et dégagent de l'électricité statique. Voyons, 3 devraient suffire. De toute façon, on est à la recherche de sacs à vilains cochons. Donc on peut l'aider, Tombi. Ok, on affronte les vilains cochons. Vilains cochons. J'en ai un sur la tête depuis tout à l'heure, donc je sais pas. Non, il les faut tous. J'en avais un tout à l'heure, mais... Il a disparu. Je sais pas où il est parti. Et l'autre là qui lave les Kujaras, elle peut pas en donner un? Ah! Ah, y a un trou ici. Oh! Merci le bug graphique qui m'a permis de le trouver. Ah mais oui, lui il collectionne les trucs là. Il y a une pieuvre qui est en haut là pour l'instant. Les autres je sais pas où ils sont. Hey, t'es venu voir ma collection? T'en penses quoi? Pas mal hein? Bien sûr, je n'ai qu'un petit monstre. Je collectionne des espèces rares. Si t'en trouves, apporte-les-moi. Il y en a un en haut, une espèce de pieuvre. Poisson précieux. Ah bah oui, ça! Ah, c'est une chose bien étrange. C'est pour moi, merci. Oh, oh, oh. D'accord. Ben, il y a encore la pieuvre qu'on a vue en haut. Et pour les autres, ben, on verra bien. Là, pour l'instant, je ne sais pas. Je cherche des Kujaras. Il y en avait un. Ah bah, il est toujours là, en fait. Il est gelé, là. Donc, le dernier, j'imagine qu'il est dans le fond, dans l'arrière-plan. Il va falloir qu'on aille... De l'autre côté de l'échelle. Allez, Pam. On va te donner les... Les Kujaras. On voit rien, je suis désolé, j'y peux rien. Je sais pas ce qui se passe. Par contre, profitez de cette bonne musique. Elle est reposante, relaxante. Voilà quoi, moi j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore ce jeu. Allez, plus qu'un.
On peut ? Trois Kujara. Il me les faut à tout prix. Quand la gondole sera prête, je vous laisserai passer les premiers. Donc il y a la forêt derrière. On va aller voir dans le fond. En fait, on peut faire une zone par épisode, hein. C'est ça. Je pense qu'au bout du 10 épisodes, là, on aura fini le dernier cochon. Non, justement, on les a pas encore débloqués. Alors, le Kujara, il est... Ah, je crois que je le vois. Je crois que je le vois. Non, en fait, non. Ah, tiens, il y a une porte. Une porte de la tristesse. La porte pleureuse. Non, pas par là. Ça, c'est un raccourci. Oh. Lâche! Il est où le Kujara? Ah, je le vois, il est là. En fait, on n'a pas besoin d'éteindre les lampions qu'il y a au-dessus. Lâche! Putain! Tombi, il adore ça! Il adore ça gripper partout! Oh, donne-moi ça! Baume apaisant! Oh, le coffre! Ouais, mais j'ai des ailes magiques tout le temps! Eh, il va falloir qu'on revienne dans ces genres d'endroits dès qu'on aura accès au coffre. Coffre blanc! Blanc, bleu et vert. Ben. Ouais, c'est moi. Et à la musique de la forêt qui s'est lancée. Wow! Ah oui, là par contre, je vais en avoir besoin. On remet le marteau. Et go l'abri! Non, 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 non! Ah! Reviens! Monte là-haut! Bon, les mini-jeux, on les fait pas. On va pas faire toutes les quêtes, évidemment. Je compte pas finir le jeu à 100%. Et voilà! On peut faire exploser le rocher! Pam, c'est bon, on en a 3, ça va marcher? Reste là et regarde. Je croyais qu'il en fallait que 3, en fait, il fallait bien les 5. Ah ouais, d'accord, même pas de bouton. C'est même pas fermé. Tu vas tout faire péter! Ça, c'était de l'explosion, mon gars. Oh, fuck! Oh, le truc comique. Ouais, j'ai eu peur. Avec Win aussi, mais... Pam, tu fais des choses folles. Il faut l'enfermer. Je suis à combien de AP, là? Pour récupérer le groin. On a réussi, les petits. On a réussi. Ah oui, carrément. C'est clair. Putain, on dirait encore une invention de Champignac. Oh, putain. Regarde-moi ces pauvres Kujara. Je suis triste pour les Kujara. Espèce de salaud, tu les as utilisés à des fins personnelles. Espèce de salaud. Pas la peine de s'inquiéter, ils ont la peau dure. Oui, oui, c'est ça, Brigitte Bardot va te tomber dessus, mon gars, tu vas voir. Maltraitance d'animaux. Ah, SPA, bonjour. Oui, oui, il y a un mec qui s'appelle Pam, là, il vient de sacrifier des... Enfin, il vient de taper sur des Kujara. Mon Dieu. Oh, j'avais oublié, comme promis, je vous la laisserai passer, je vous laisserai passer... Les premiers sur la gondole. Comme ça, je pourrais savoir s'il y a des pièges ou pas. Et vous voudrez aller dans la forêt, vous pourrez l'utiliser. Vous avez également parlé des vilains cochons. Tenez, je vous l'offre. Oh! Oh, il faut qu'on trouve le boss. Merci beaucoup, Pam.
Pas ma faute. Je veux chasser le cochon de glace. Mais ce sera dans le prochain épisode. Eh oui, on est arrivé à la demi-heure. Donc, je vous invite à cliquer sur le prochain épisode. Car on se retrouve plus tard dans le prochain épisode. N'hésitez pas à liker. C'était logique. N'hésitez pas à liker si vous avez adoré. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner si vous en voulez toujours plus. Et petit pouce bleu aussi pour soutenir ces pauvres petits Coujaras. Et pour enfermer ce Pam. Enfermez-le. Voilà. Soutenez les Coujaras. Allez, on se retrouve dans le prochain épisode. Bye tout le monde!